Bonsoir. Bonsoir. Hélène. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Rien. Je suis passée chez vous, je me suis dit peut-être ici. Vous voulez un peu de... C'est qui ce type ? C'est quoi ? Une oreille ? Un bricoleur de génie, comme dit son ami Maxime ? Qu'est-ce que je dis, son ami ? L'amitié, ça n'existe pas. Il n'y a pas accès. Il est bon, ce vin. Je sais, j'y connais rien. Et c'est gentil, ce genre de petite dinette. Et après, vous faites quoi ? Vous rentrez sagement ou bien... Ah oui, ça dépend. J'ai pas eu l'occasion de vous entendre, mais Stéphane m'a dit que vous avez enregistré un audiopack. Il paraît que... Il paraît quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je vous laisse. Je peux pas. J'arrive pas. On peut pas en rester là, je peux pas l'accepter. Mais dites quelque chose. Je vous ai dit la vérité, Camille. Non, vous savez bien que non. Quand vous êtes venu me voir au studio, quand il pleuvait, j'ai pas rêvé. Votre attention. C'est mon métier. Cette façon de me regarder. C'était sincère. Tout ce que nous nous sommes dit. Nous ne sommes rien dit du tout, Camille. Mais si. Ou alors c'est moi. C'est moi. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi? Je vous ai dit pourquoi. Si c'était un jeu, fallait aller jusqu'au bout. Fallait me baiser. Vous auriez été un salaud, mais ça, moi, c'est dans la vie. Arrêtez, Camille. Mais non ! Mais là, c'est rien, vous n'êtes rien ! Mais quoi ? Ça vous gêne qu'on en garde ? Mais faut pas, mon vieux, si ça les amuse. Il est là, tout étriqué sur sa chaise. Oh, il aimerait bien être ailleurs. Il paraît qu'il aime la musique. Parce que c'est du rêve, la musique. Parce que ça n'a rien à voir avec la vie. Et le rêve, petit peu, c'est pas ce que c'est. T'as pas d'imagination, pas de cœur, pas de couilles, pas de savie, y'a vraiment rien là-dedans. Excusez-moi, je pense qu'il faudrait mieux. Moi, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ne vous inquiétez pas, je m'en vais.